Oui, j'ai vécu à peu près la même chose parce que moi j'ai eu un grand accident. J'étais renversé par une voiture et j'avais perdu la mémoire immédiate. J'ai fait 4 semaines de coma et je me rappelais de rien. Donc c'était terrible. Et je m'en voulais parce que moi il y a eu délit de fuite, donc il n'y avait pas de coupable. Donc je le culpabilisais, je me regardais dans la glace et je m'insultais de tocard, qu'est-ce que tu fais? Je disais à ma femme maintenant, mais ma fiancée et pote Madeleine qui a fait tout pour moi, c'est pour ça que je l'appelle mon soleil, parce qu'elle m'a donné la lumière de la vie, elle m'a accompagné à tous mes rendez-vous et tout. C'était très 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 difficile. Alors, avant de revenir à cet accident qui vous a privé de 7 ans de souvenirs, on va revenir en image sur votre carrière de basketteur. Hervé Dubuisson naît à Douai en 1957. En grandissant, il prend vite goût au sport. À 8 ans, il fait de l'athlétisme, mais à ses heures perdues, il aime jouer au basket. Son professeur d'athlétisme le remarque et le présente à un entraîneur. Très vite, Hervé est recruté par un club du Nord-Pas-de-Calais. À seulement 16 ans et 9 mois, il devient le plus jeune international professionnel de tous les temps, sélectionné en équipe de France de basket. Mais les exploits du jeune homme ne s'arrêtent pas là. En 1984, il est le premier Français à porter un maillot de la NBA. Il se forge une réputation et outre-Atlantique, on le surnomme le blanc qui saute au-dessus des buildings. Mais Hervé a du mal à s'imposer sur le parquet américain et en 1986, il revient jouer en France. En inscrivant 5 fois au moins 50 points en championnat de France, il occupe toujours aujourd'hui la place de meilleur marqueur de l'histoire du championnat. Mais il y a 14 ans, alors qu'Hervé est devenu entraîneur pour le prestigieux SLUC Nancy, sa vie bascule le soir du 10 mai 2001. Vous avez des souvenirs précis de votre carrière de basketteur? Non, je suis revenu 7 ans, j'ai une amnésie totale de 7 ans qui précédait mon accident. Par contre, toute ma mémoire lointaine et intermédiaire, ça c'était comme si c'était hier. C'est impressionnant. Mais avant, je voudrais dire aussi que j'ai fait un hématome sudural.